vous dis, j'ai pas envie de prendre de risques. Hein. Voilà. On s'améliore, on réfléchit un peu plus. Voilà, la dernière fois j'ai fait des erreurs. Là, l'intérêt c'est de pas les faire. On rentre à la maison. On va poser tout ça. Et déjà, c'est pas mal. On va voir, on va continuer à tout péter évidemment. Tac, 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 tac. Ah, montez, s'il vous plaît. Ah, il a rejoint la partie. Je crois qu'il a rejoint la partie, le mec. Mais il est mort. Bon, attends, on abandonne ça, on y retourne. That's Raymond Location. Ça avait l'air d'être son pseudo, il y avait 4 barres. What? C'est pas mal, hein, ça m'a fait spawn sur les tourelles. Il y a quand même des petits problèmes avec le téléporteur, hein, parce que je me suis pas téléporté devant les tourelles. Bon, la question c'est, est-ce que le mec est là? En fait, moi je me suis précipité pour ça. Dis-moi que je peux récupérer mon stuff d'ici, là. Accéder à l'inventaire. Let's go. Bon, ça va, c'est fait. Plus de peur que de mal, mais franchement, le mode, il m'a un peu trop là. Je sais pas pourquoi j'ai attendu, en fait, mais c'est bon. Allez, paf. Je pense que c'est ça qui alimente tout. On va tout casser, c'est bon. Allez, on s'éloigne. En espérant que les tourelles soient désactivées. La tourelle est désactivée ici. La tourelle est désactivée ici, donc c'est bon. C'est libre. La voie est libre. Donc on va tout simplement y aller, tranquillement. On va prendre son temps. Et on va checker tout ce qu'il y a ici. Alors, lui, il a plus de lit, il peut pas revenir. Ok, on va checker là, hein. Alors ça, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, il y a ça d'intéressant, on va dire. Il y a la salle de Basilo, ça peut être pas mal. La salle de You, Tyrannus, ça peut être pas mal. Le masque à gaz, ça nous évite de le farmer. Ça, c'est vraiment bien le polymère. Fleur rare, je vais les prendre aussi. Mais je vais être trop chargé, du coup. Ah, là, il y a du stuff intéressant, c'est quoi, ça? Anti-radiation, des boîtes anti-radiation. Je prends, hein. Ça, c'est quoi, ça? C'est une armure en cuir, je crois. C'est nul. Oh. Alors ça, c'est le meilleur truc que je pouvais trouver. Vraiment, c'est le meilleur truc. Ça va me permettre de farmer à une vitesse. Ah, merci, frérot. Ah, bah, rien que pour ça, le raid, il est rentable. Rien que... Ah, ouais, il a quand même pas mal de trucs. Hein. Je peux pas me la faire, la foreuse, regardez. Elle pourrait aller sur Genesis. Et du coup, je peux pas le faire. Voilà, dommage. Donc, il fallait à tout prix que j'en trouve une. Alors, ne vous en faites pas. Là, je récupère du stuff comme ça, à droite, à gauche. Mais on fera un petit bilan après, hein, de tout ce qu'on a gagné. Ça, je prends, ça a l'air pas mal. Ok, bah là, il reste plus qu'en vrai, ces tourelles à péter, je crois. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, niveau stuff, il n'y a plus rien. Je vais péter ça. Je sais pas ce que c'est ça. Ex incubator. Je crois pas qu'il y ait des trucs à l'intérieur. Je vais juste faire le ménage final. Hein. Je vais juste faire le ménage final. On va reprendre ça. Le petit C4. On va en poser un là. On va en poser un là. Avec la roue, ça va tout détruire. Un là. Et en vrai, je pense que... Ça a tout pété. On va évidemment tuer les dinos parce qu'on est sans pitié aucune. Puis il y aura du stuff hein, dedans. Voilà. Il y avait que dalle. Il y avait que dalle. Ok. On va juste replacer un petit C4. Tac. Ici là. Histoire qu'ils reviennent pas. Ouf. Un seul. Je sais pas si ça suffira. Ah oui, large. Ok. Comme ça, c'est sûr qu'il va pas arriver. Lui, est-ce qu'il avait du stuff? Il avait pas de stuff. Alors, dans les tourelles, il y avait des balles, évidemment. Il y avait quoi d'autre? Ici. Des balles aussi. Je crois que c'est fini. Franchement, c'était propre. Hein. On ramasse tout. Hein. Fait comme si de rien n'était. Voilà, hein. C'est ça. Ça, c'est la guérilla, les gars. En gagnant un peu d'expérience, hein, évidemment. On gagne un peu d'expérience à chaque raid. On apprend de nos erreurs. En fait, l'erreur qu'il y a eu, c'est ne pas avoir détruit le générateur direct. J'aurais dû le faire. Comme ça, j'aurais eu plus aucune chance de mourir à cause des tourelles. Tant qu'on peut se mettre hors de danger, on le fait. Il ne faut absolument pas mourir parce qu'on peut se retrouver dans des sauces pas possibles. Bon, du coup, c'est terminé. Propre. Efficace. On retourne à la base, on va voir un petit peu le butin de tout ce qu'on a gagné. Ben, on a gagné beaucoup de balles. On a gagné déjà beaucoup de balles. Je pense qu'on ne s'en servira jamais. On a gagné une armure, une botte anti-radiation. Ok, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Des ressources, voilà, beaucoup de ressources. Ça, on va les sortir, on va les utiliser. La foreuse, ça je vous dis, ça c'est le truc. Vraiment, je vais la tester de suite, vous allez voir. C'est incroyable, alors je ne sais pas si elle est très bonne parce qu'elle est que à 106%, mais je pense qu'elle est quand même efficace. Qu'est-ce qu'on a gagné d'intéressant? Des armes, voilà, des espèces d'AK, lance-flammes, lance-roquettes, des matraques. En fait, le truc, c'est qu'il faut aussi que je respecte la série, que je donne des trucs. Donc je pense que je vais donner du stuff et des schémas, et tout le reste, je vais l'utiliser pour moi. Je vais pas voir un mec et lui donner 2500 de cristal. Ça ne sert absolument à rien, il va plus pouvoir bouger, il va plus pouvoir rien faire. On va donner les équipements et on va garder les ressources. Et là, en l'occurrence, je vais vous montrer un petit truc. La foreuse. Alors là, vous voyez que j'ai une pioche mythique. Pioche en métal mythique, 222%, c'est quand même pas mal. Et je vais farmer ce métal. Voilà.
C'est un métal pur, c'est le meilleur métal qu'on peut trouver. Vous voyez qu'il est tout doré et tout, donc ça veut dire qu'il est très bien. Donc j'ai, je gagne à peu près 780 de métal à peu près. Voilà. Je gagne entre 6 et 800 en général. On va utiliser la foreuse. Allez, ne contredis pas. 1100. C'est un peu plus, c'est pas non plus ouf. Attendez, la plus. Mais ça forme beaucoup plus vite déjà. Forme quand même beaucoup plus vite. Et en plus de ça, vous voyez que là, mes 2260 de métal pèsent 282,5. J'ai l'arme équipée en main. Si je la déséquipe, la même chose pèse 1130. Donc c'est vraiment un outil qui est exceptionnel. C'est à peu près le meilleur truc qu'on pouvait trouver. C'est vraiment le truc qui me manquait. Bon bah écoutez, je suis très content de ce raid. Vraiment, cette foreuse, c'est un objet incroyable. J'aurais tout donné rien que pour la trouver, donc c'est super. Ensuite, là, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est raid des plus grosses bases. Vraiment, essayer de trouver une très grosse base. Et la raid, je vais essayer de chercher. Je vais faire une seconde base sur Ragnarok aussi, c'est pas grave. Une base cachée, encore plus que celle-là, on va dire. Où je vais cacher tous mes objets super importants. Et ensuite aussi, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment trouver des débutants sur le serveur et leur donner du stuff. C'est l'intérêt du Cunu Justicier. Il s'est barré, mais il a trouvé ma cave, ma base. C'est la grosse merde. Personne prendra ta base, mon pote. J'ai pas la peur. Il va peut-être revenir chercher le CK, on sait pas par contre. Ça, c'est ouais. Faut. Tu lui as pris les tourelles ou pas? Non, j'ai pas pris. Faut qu'on aille en chercher. Je me demande comment il a fait pour trouver, quoi. Sérieux. Je t'en ai pris 5, ça te va, ça? Je suis déjà passé ici en plus, hein. Je sais pas si t'as des balles ou pas? Comment? Oh, mais on a pas de balles. J'en ai des balles. Là-haut, ma base. Balles de pistolet. Non, tu t'as dit t'as un 2 sur 2 là-haut? Ah ouais. Ah oui, énervé, d'accord. C'est caché, okay. Hein? Ah ouais. Ouais, non, j'aurais pas trouvé. Cadeau. Je pense que ça va te mettre bien. Bah, merci, hein. Franchement. T'inquiète, toi. Plaf. Là, on est. Oh, si on peut serrer les coudes. Oh. C'est lui, Van Stam. Stam Van 123, c'est lui. Vas-y, sois pas méchant. Tu vois bien que j'ai une petite base en pierre. Voilà, c'est un sanguinaire en plus. Chez nous, et puis. Ouais, il est en train de. À l'arbalète, il les tue. Ah non, il a un cristal. Ouais, il est en train de raider une base. Non, vraiment, mon objectif c'était pas de ne pas faire de tourelles. Et voilà. C'est l'escalade de l'horreur. On fait des tourelles. Non, je peux pas faire la tourelle, même si t'en mets genre 2 ou 3, le chat c'est déjà. Ouais, c'est un peu dissuasif. Ouais. Si jamais on n'est pas sur Rag et que tu te fais raid, bah MP nous et puis on essaie. Ouais, t'envoies un message, tu fais @everyrun needhelp. Yes. Dans le Discord. Bon, ouais, merci en tout cas pour le coup de main. Je pense que j'essaie de me recoudre d'ici une heure ou deux. Franchement, pas de soucis. Ok, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, il faut que je vous explique tout. Alors, ce qui s'est passé là, à l'instant que vous venez de voir, en fait, il y a un mec, j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais en pression. Il y a un mec qui a spot ma base. Il y avait une énorme tête de wyvern qui passait à travers ma base, et bon, je n'ai pas eu le temps de le filmer, mais je vous le dis. Et en même temps, j'étais en vocal avec des gens. Alors, ces gens, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort et tout ça? En fait, c'est des gens que j'ai croisés sur le serveur. J'étais dans le désert, là-bas, là, à peu près. Et j'essayais de tamer un giga. Il y a un mec qui se pose à côté de moi, il me dit salut, c'était un français, j'ai répondu en français, ça s'est bien passé. Heureusement, parce que sinon, il m'aurait tué. Et du coup, ben voilà, ils m'ont plutôt aidé et finalement c'est vrai que la série se retourne un peu. C'est moi qui suis en PLS et c'est moi qui suis aidé alors que c'est moi qui suis censé aider les gens. Et on pensait que j'allais me faire attaquer direct. Donc ce qu'il faut faire très rapidement c'est tout simplement déménager. Va falloir que je déménage tout, ça va être long, ça va être chiant. Et va falloir que je trouve un endroit caché. Je vais juste faire le début avec vous et après je vais pas tout faire avec vous, hein. Parce que si je vous montre juste un transfert de stuff, bon, peut-être pas le truc le plus fun à regarder. Donc il y a moyen que je ne fasse pas tout, hein. On se rejoindra au point final, hein. Oui. Je pense que j'ai à peu près tout. Et là, ça va être le moment où on va croiser les doigts en espérant ne pas se faire tuer quand on va spawn. Ouais, on se jette. Ouais, j'ai une armée d'ichthyosaures ici, me demandez pas pourquoi. Alors, j'en ai tamé plein, c'est au cas où, quoi. C'était facile à tamer. Allez, on s'arrache. Alors, on se casse. Et on va essayer de se trouver, bah écoutez, un endroit sous-marin caché. Je pense que c'est bien caché ici, en vrai. Je pense que c'est pas mal, on est ici là, pouf, derrière mon doigt. Je pense qu'on est bien, donc on va se mettre un petit téléporteur. Voilà, on va se mettre un petit téléporteur ici là qui se voit pas. Le téléporteur ne se voit pas.
On va se mettre, on va le renommer. Renommer Harrison Teleport Base Aquatic. Voilà, bon, du coup, je vais commencer le transfert. Hein. Je vais transférer tout ce qui est hyper important en premier. Genre ça, ça c'est très important. Si je me fais attaquer maintenant, je veux dire. Ça, c'est hyper important. Ça aussi. Ça aussi. L'épée aussi. L'arc ici. La pioche, j'en ai pas d'autre. Bof. Voilà. Bon, déjà, franchement, c'est planqué de ouf. Hein. Moi, c'est planqué de ouf. Regardez. Faut y aller ici, quoi. Non ? Donc, après, là, faut checker si le générateur fonctionne. On va mettre ça là. Ça marche sous l'eau. Il marche sous l'eau pour de vrai, ce générateur. Peu cheaté, quand même. Parce que normalement, il faut un générateur tech pour faire ça. C'est beaucoup plus compliqué à avoir, un générateur tech. Bah, écoutez, je pense qu'on a transféré quasiment, carrément, toute la base ici. Hein. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai mis des petites tourelles là, bah, c'est celle qu'on m'a donnée. Ensuite, j'ai un peu aménagé l'intérieur, voilà. Paf, paf, vous voyez, c'est comme ça. On va passer de l'autre côté, vite fait. Paf, 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 paf. Mon dauphin, il est là-haut. Là, pareil, il y a deux tourelles, ici. Mais par contre, le vrai problème, en fait, c'est que les machines comme ça ne fonctionnent pas. J'ai testé, hein. Ça ne fonctionne pas, donc en fait, ce que je vais faire, c'est cette base-là. Ça va être une base où je stack une partie des ressources et surtout une partie des items importants que j'ai trouvés. Et du coup, voilà, tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a tout mon stuff là-dedans. Voilà. Et tout mon stuff ici qui est plutôt caché, hein, vous voyez. J'ai des trucs qui sont quand même vachement importants. Genre, bon, ça, je sais pas trop ce que c'est, truc. Dinosaures, j'ai tous mes dinosaures. Enfin, j'ai quand même pas mal de trucs, hein. J'ai quand même pas mal de trucs importants, voilà, pour mes raids et tout. Il n'empêche que cette base doit quand même disparaître, parce que cette base a été trouvée, donc je peux pas garder cette base comme ça qui me produira mes ressources. Mais le problème, c'est que bah, je suis riche de ressources. Parce que oui, j'ai fermé comme un gros porc. Regardez ça. Voilà. Là, ça, c'est mes cailloux. Là, ça, c'est ma poudre d'étincelle, poudre à canon. Donc, j'utilise tout. Voilà, j'utilise tout. Ce qu'on va faire, c'est ça. Hein. On va tout utiliser. Ici, j'ai mon métal. Il y en a beaucoup aussi. Et là-dedans, j'ai énormément de choses aussi. Donc, il va falloir bouger tout ça. Ça va être très long. Là, j'ai aussi pas mal de trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer énormément de ressources pour faire des tourelles pour protéger ma base qui est là-bas. Et surtout, il faut que je trouve une nouvelle base, un nouvel endroit où m'installer. Aussi bien que celui-là. Parce que le mec va revenir, c'est sûr. Il y a un mec qui a trouvé ma base, c'est sûr qu'il va revenir. Il va me péter, c'est obligatoire. C'est le jeu, en fait. Et ce qu'il faudra que je fasse aussi rapidement, c'est dédoubler ma cachette sous-marine pour en faire une deuxième, pour pas, si elle se fait raid, tout perdre d'un coup. En gros, c'est ça l'objectif, je vais le faire. Voilà, c'est un petit épisode transitoire. Ben, on essaie de se refaire, même si on n'a pas été attaqué, on a juste été repéré. Et ça, c'est trop dangereux parce que ma base n'a pas de défense, je tiens à vous le dire. 2000 years later. Ok, on touche au but. On touche au but, ça y est, enfin, je vais faire le voyage le plus risqué de l'histoire du voyage de Ark. J'ai tout mon gigastuff le plus important et je vais aller dans ma base, ma future base qu'il faut que je construise. Du coup, on va y aller le faire ensemble tant que j'y suis. Alors, je crois que c'est celle-là. Et ma base, je vais la faire là. Hein. Franchement, c'est planqué ici, je pense. Je pense que c'est giga planqué, genre là, comme ça, là, paf, derrière ce rocher, ici, voilà, paf. Là, ça va être ma base avec le super stuff. Je suis à peu près ici sur la map. J'ai mon autre base qui est à peu près, voilà, derrière mon doigt là-haut. Paf! Je pense que c'est bien. Hein. En vrai, je pense que c'est pas mal. On va pas faire un truc très gros. Plus c'est petit, plus c'est caché. Voilà, comme ça, comme ça. Comme ça. Et. Comme ça, j'avais pris un peu plus au cas où je voulais faire plus grand. Mais écoutez, ça se suffit à soi-même. Voilà, une petite bazounette. Une petite bazounette toute mignonne. Voilà, paf. Là, on rentre dedans. On pose le bon volt. Et on va tout mettre dedans. Ouais. Le kit ici, voilà. Et bien, écoutez, on est bien. Et j'espère juste que ça va passer. Alors, je pense que je peux pas passer ma nuit. Franchement, ma base, elle est trop discrète. Hein. Je vais pas me dire que ma base, elle est pas discrète. Là, pour me faire bouger de ce serveur, va falloir envoyer du lourd. Rien que pour me trouver et tout, c'est hyper dur. Faut se dire ça, hein. C'est que c'est très dur de trouver un joueur. Ok, bon, bah du coup, c'est fin de vidéo. Jour 5 terminé. On croise les doigts, du coup, pour que demain, on ait toujours au minimum cette base-là. Les deux autres, putain, si on les a plus, bah c'est fin de game, hein. Parce que je vais pas tout refaire éternellement. On a quand même fait du beau gameplay. Mon objectif, vraiment, c'est d'attaquer une énorme base, d'essayer de le faire et de donner tout ce stuff à un mec qui débute. C'est compliqué, mais on va essayer de le faire. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, le petit pouce bleu aussi. Tchuss tout le monde.